Bonjour. Dans cette séquence, on va corriger l'exercice 4. Donc, l'exercice 4. L'exercice 4 de la série 5 portant sur le chapitre des ensembles. Donc, soit E un ensemble non vide, soit A, B et C trois éléments de PE, c'est-à-dire l'ensemble des parties de E, tels que A union B égale A union C et A inter B égale A inter C, montrant que B est égal à C. إذن باش نبينو بأن B يساوي C، يعني يكفي ناخدو واحد العنصر من A من B ونبقاو غاديين بالتكافؤات ونوصلو أنه كينتمي لسي. وهذا ماشي ديما ممكن، ولكن ممكن نمشيو بدوب الانكلوزيون، ستادير نقدرو نقسمو السؤال ونبينو على مرحلتين. La première étape, c'est de montrer que B est inclus dans C. C'est-à-dire, on va travailler avec une double inclusion, ou bien on prend X appartient à B et on va faire des étapes jusqu'au trouver que X appartient aussi à C. Alors, donc soit X un élément de B et X appartient à A. Donc automatiquement, X appartient à B inter A. D'accord? Donc implique que X appartient à A inter C, puisque A inter B égale A inter C. Donc X appartient à A inter C implique que X appartient à C. Donc j'ai montré que B est inclus dans C. Dans le cas contraire, si X appartient à B mais n'appartient pas à A. Donc si X appartient à B et X n'appartient pas à A. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que X appartient à A union B. Voilà, donc X appartient à A union B, c'est A union C. En fait, X n'appartient pas à A, donc il appartient à C. Donc dans les deux cas, B est inclus dans C. Alors j'ai arrivé à montrer que B est inclus dans C. De la même manière, nous pouvons faire la même chose avec C inclus dans B. Montrons maintenant que C est inclus dans B, c'est-à-dire l'autre inclusion. Montrons que C est inclus dans B. Alors, soit X un élément de C, et dans ce premier cas, X appartient aussi à A. Donc, ça implique que X appartient à A inter C, et puisque A inter C, d'après les données, égale à A inter B, alors ça implique que X appartient à inter B, donc X appartient à B, on a déjà X appartient à A. Et then, donc A et C est inclus dans B. Dans l'autre cas, si X appartient à C et X n'appartient pas à A, donc ça implique que X appartient à union C. Donc implique que X appartient à union C, c'est à union B d'après les données. À union B. Et voilà. Ça implique que X appartient à B, puisque X ici n'appartient pas à A. Dans tous les cas, d'où C est inclus dans B. Donc ça c'est 2. Donc d'après 1 et 2, d'après 1 et 2, on déduit que C égale B. Alors maintenant, on passe à un autre exercice qui est l'exercice numéro 5. Exercice 5. Donc l'exercice 5, soit E un ensemble non vide, donc j'écris d'abord l'énoncé, soit E un ensemble non vide, soit X,
soit x et y, deux éléments de PE, deux éléments de PE. La question montrant que si x est inclus dans y, ça équivalent à x moins y égale l'ensemble vide. Alors commençons par la première implication. L'implication, c'est-à-dire, on va montrer que x montrant d'abord que x inclus dans y implique que x moins y égale l'ensemble vide. Alors, si x est inclus dans y, donc x inclus dans y implique que x inter y bar est inclus dans y inter y bar. Donc je peux faire ça. Donc si j'ai A inclus dans B, alors A inter n'importe quel ensemble est inclus dans B inter cet ensemble-là. Donc implique que x moins y, qui est x inter y bar, est inclus dans l'ensemble vide. Donc implique que cet ensemble-là, effectivement, c'est un ensemble vide. Alors, cherchons maintenant l'autre implication. C'est x moins y égale l'ensemble vide. Est-ce que ça implique que x est inclus dans y? Alors, on commence par x moins y égale l'ensemble vide. Implique que x inter y bar égale l'ensemble vide. Donc, ça implique que x inter y bar, union y, hein, union y égale à l'ensemble vide union y. Implique x union y et inter y bar union y. J'ai fait un développement ici. Égale l'ensemble vide union y, c'est en fait c'est y, implique x union y inter, celle-là c'est l'ensemble E, égale à y, donc x union y égale à y, puisque x union y inter E راه هي x union y. أي مجموعة تقاطع E هي نفس هذيك المجموعة. وإلا كان الاتحاد ديال x مع E هو y، ماذا يعني ذلك؟ يعني أن x راه في قلب y، يعني x est inclus dans y، ce qu'il fallait démontrer. Merci d'avoir suivi cette vidéo. نتلاقى إن شاء الله في فيديو آخر نصحو فيه التمرين الأخير في هذه السلسلة. شكرا على حسن انتباهكم.